Salut les techniciens, c'est Amslo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode numéro 17 de notre série Gloroskill. Et comme vous le voyez à l'écran, ça y est les amis, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu de ce qui m'appartenait, j'ai vendu Ribéry, j'ai vendu Schweinsteiger, j'ai vendu Agüero. Donc voilà, j'ai vendu toute ma dernière équipe avec quelques joueurs en attendant que j'ai encore dans la pile d'échange. Donc c'est un petit, c'est de l'achat-revente que je faisais, donc voilà. En tout cas, je vais vous présenter vite fait une équipe que j'ai appelée Revive. En fait, c'est juste une équipe brésilienne pratiquement avec quelques joueurs. Donc on a notamment Benatia, on a De Rossi et on a Marchetti, je sais pas comment on dit ça. D'ailleurs, si vous le savez, dites-le-moi dans les commentaires, mais on s'en fiche de cette équipe. Enfin, on s'en fiche pas vraiment parce que j'ai décidé, bien évidemment, de faire une équipe qui va s'appeler Dar to Zlatan. Et bien évidemment, je pense que vous avez deviné qu'est-ce qui se passe dans cet épisode et qu'est-ce qui va se passer. Bien évidemment, donc je vais créer une nouvelle équipe. Et cette équipe va être composée en 4-2-2-2 avec du Casillas, du Thiago Silva et du Sergio Ramos en défense. Sur les côtés, j'ai mis du Informe Digne et Fagner, ou Fagner, je sais pas encore comment ça se dit. En tout cas, c'est un très très bon joueur, très bon défenseur droit brésilien que je vous conseille en joueur argent, qui est vraiment très très bon. Je le préfère lui à Maicon. Et à Dani Alves, donc voilà. En milieu défensif, nous avons donc second in form, Matuidi avec Xavi. En milieu offensif central, nous avons Ronaldinho et Menez. Et en buteur, nous avons bien évidemment Ibrahimovic et Neymar. Ibrahimovic que j'ai acheté 1 200 000 crédits, donc ça fait vraiment très très mal. Donc voilà, espérons que voilà, il va faire très mal. Franchement, j'étais content de l'acheter enfin, je l'avais jamais testé. On verra bien ce que ça va donner, j'ai eu beaucoup de retours de votre part en me disant que ouais, c'est un monstre, c'est une tuerie, il faut que tu le testes. Pareil pour Ronaldo je sais, hein, je l'ai déjà testé avant de commencer cette série, donc je sais un petit peu que lui aussi c'est un monstre. Donc on va voir tout ça si Ibrahimovic va tout défoncer, on va dire ça comme ça. Hein. Donc en tout cas, cette équipe m'a coûté environ peut-être 1 500 000 crédits à peu près. Donc je sais pas encore le prix exact, mais c'est parlant. En tout cas, de toute façon, c'est une équipe très très chère, évidemment, vu qu'elle est composée de Ibrahimovic. Là je décide de faire un petit pack, hein, voilà, j'ai décidé en fait de pas faire de pack opening en ce moment, donc je me suis dit allez on va ouvrir un pack, on a eu Ibra, on va ouvrir un pack. Malheureusement bah voilà, dans ce pack j'ai eu que de la merde, hein, je pense que vous l'avez deviné. Les packs opening c'est pas... J'aime pas vraiment en fait, si vous voulez, j'ai jamais acheté de crédit et je compte jamais en acheter. Du coup je fais pas trop, j'ouvre pas trop de packs. Évidemment la dernière fois que j'ai ouvert un pack j'ai eu Informe Messi, donc le premier. Ce qui m'a d'ailleurs, je l'ai vendu à 2,5 millions de crédits, ce qui est vraiment énorme. Je vous ai mis un screen pour vous montrer que je vous mens pas. Et oui, j'ai eu Informe Messi, donc son premier Informe. Ça faisait vraiment du bien parce que voilà, j'avais besoin de crédits et ça m'a permis d'acheter Cristiano Ronaldo. Ça m'a permis de faire d'autres équipes skill, etc. Et ça m'a permis notamment de commencer cette série qui se déroule plutôt pas mal. Hein. Donc voilà, hein, franchement j'aimerais encore vous remercier de votre soutien, de vos commentaires. J'ai plus en plus de retours, ça me fait vraiment super plaisir que ma petite série vous plaise. En tout cas voilà, moi je prends vraiment du plaisir à faire cette série. J'espère vraiment que vous prenez du plaisir vous aussi à regarder cette série. Donc voilà, en tout cas, merci. Donc alors on va se retrouver à la 14e minute, enfin la 13e minute, mais c'est un but de Giorgio Chiellini qui nous met là une belle tête après un corner de la part de mon adversaire. Et vous allez voir qu'on va se rattraper assez rapidement avec un arc-en-ciel et une grosse frappe de Ronaldinho qui termine au fond des filets. Très très beau but de la part de notre ami brésilien. Franchement j'ai vraiment kiffé ce but. Il est on va dire de toute beauté, voilà, un but vraiment classe. C'est notre ami Ronaldinho, hein, qu'est-ce que vous voulez de plus, hein, Ronaldinho qui est un très très bon joueur. Même s'il a très peu de vitesse, franchement pour moi ça reste le meilleur skiller de ce FIFA, donc voilà. Ensuite c'est mon adversaire qui se retrouve pratiquement tout seul, il se retourne et il fait une grosse frappe directement avec Claudio Marchisio et il marque tout simplement. Franchement dans cette équipe, le joueur qui m'a vraiment déçu c'est Iker Casillas. Je sais pas pour vous mais pour un gardien de sa trempe, j'ai trouvé qu'il était vraiment très nul. Et vous allez voir qu'on va se rattraper, hein, évidemment avec Zlatan Ibrahimovic, il va dribbler toute son équipe, une roulette, un scoop turn. Il continue avec quelques gestes, une petite feinte, la grosse frappe, et voilà, c'est tout simplement au fond des filets, c'est Ibrahimovic, hein, qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà, une très très belle action de notre Zlatan Ibrahimovic, qui a démarré dès l'engagement et qui met ce ballon au fond des filets. C'est comme ça que se termine cette première mi-temps, hein, 2 buts partout, donc un match assez serré, hein, comme vous le voyez, on domine au niveau de la possession. Il a réussi à cadrer tous ses tirs et il a marqué 2 buts, donc voilà, c'était plutôt pas mal. Mais vous allez voir que voilà, Ibrahimovic il a pas fini les amis. C'est Ibrahimovic, Ronaldo Shop, il continue avec un ball roll.
Il continue avec un scoop turn, un ball roll avec un drag back, un locus pocus, la grosse frappe, et voilà, c'est le but. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les amis? C'est Zlatan, voilà, j'ai vraiment kiffé jouer avec lui. Voilà, ça va faire très très mal dans cet épisode, hein, c'est Zlatan, les amis. Qu'est-ce que vous voulez de plus, franchement? Zlatan Ibrahimovic, juste à dire son nom, c'est énorme. Zlatan Ibrahimovic. Mais vous allez voir que voilà, mon adversaire revient avec Marco Reus. Encore un très très mauvais... voilà, je sais pas ce qu'il avait, Iker Casillas, mais c'est une grosse merde. Franchement, il y a pas à dire, mais il s'est troué tout simplement sur ce but. Je comprenais pas pourquoi il était aussi nul. Et vous allez voir qu'on va revenir tout simplement à prendre ce quatrième but avec Jérémy Ménez, là, après une très belle action de notre équipe avec une touche de balle. C'est bien évidemment Jérémy Ménez, là, avec la petite astuce, là, j'arrête pas de vous dire, d'ailleurs. La petite feinte de frappe arrêtée, regardez ça. Je vais éviter le tacle. Enfin, le tacle. Je vais éviter, le tacle, pratiquement. Il a voulu me chipper la balle. Mais heureusement, voilà, j'ai fait cette petite feinte. Ensuite, c'est encore Ibrahimovic, là, qui va dribbler quelques joueurs. Il continue avec une feinte. Un petit scoop turn. Il continue avec un ball roll suivi d'un drag back. Un Ronaldo chop, une feinte de corps. Et un plat du pied, tout simplement. Voilà, c'est Ibrahimovic, hein, franchement. La triplette. Premier match avec Ibrahimovic, il nous met un triplé avec 3 buts magnifiques. Donc voilà, il n'y a rien à dire, là, il termine par une petite frappe en finesse. Hein. Donc voilà, tranquillement. Ensuite, à la 90e minute, là, c'est Jérémy Ménez là, qui essaye de marquer pour le 6e but. Malheureusement, il ne marque pas. Mais bon, triplé de Ibrahimovic avec un but de Ronaldinho et un but de Jérémy Ménez. On termine ce match 5-3, donc voilà, c'est vraiment énorme. Comme vous voyez affiché, c'est la question de l'épisode. En fait, j'aimerais savoir quelle est la célébration que vous détestez et celle que vous aimez le plus. Donc personnellement, moi, la célébration que je déteste, c'est, vous savez, quand l'adversaire, il vous chute au visage, il fait un petit chute. Donc voilà, c'est tout simplement la célébration que je déteste. Et la célébration que j'aime bien, ça va être... alors, il y en a plein que j'aime bien, mais c'est, vous savez, quand je fais... mince, comment on appelle ça? J'avais vu une musique où il faisait la même chose. Vous savez, il danse avec ses fesses. Il se met accroupi et il danse avec ses fesses. C'était plutôt... J'adore cette célébration. Donc voilà, quelle est la vôtre? Répondez-moi dans les commentaires. Donc voilà, j'aimerais savoir. Donc je vous rappelle un petit peu la question de l'épisode. C'est quelle est la célébration que vous détestez et celle que vous aimez. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires, les amis. J'aimerais savoir votre avis par rapport à ça. Donc ensuite, on se retrouve pour ce second match. Et ce second match, pardon, va être un peu plus difficile que le premier. Là, c'est Ibrahimovic qui se retrouve tout seul en face à face, malheureusement, avec sa frappe de l'extérieur du pied. Ça se termine en poteau, malheureusement. Et là, après une mauvaise relance de Sergio Ramos, c'est Lewandowski qui tire. Lui aussi met un poteau, mais malheureusement, c'est Aubameyang qui reprend la balle. Donc voilà, et il marque tout simplement après un but vide. Donc voilà, franchement, ce deuxième match va être assez compliqué. Vous allez voir que ça va être un adversaire qui était plutôt fort en défense. Là, c'est Digne là qui tire. Je me suis dit, allez, il est digne de cette frappe. Donc voilà, je me suis dit, allez, vas-y, Digne, on frappe. Malheureusement, c'est son gardien qui l'arrête. Bah, cette première mi-temps se termine comme ça. Hein. Donc voilà, on perd 1-0, malheureusement. Donc très peu d'occasions dans cette première mi-temps. Même si, voilà, on va dire que on méritait peut-être de marquer au moins un but. Mais bon, vous allez voir là, après un petit cafouillage, Casillas qui enfin nous sort un bel arrêt. Franchement, voilà, il était temps. Et là, voilà, Błaszczykowski, il court, il centre pour Aubameyang. Et c'est le deuxième but doublé d'Aubameyang, un but de la tête. Donc voilà, je pense que vous avez l'habitude de voir ces buts comme ça. Malheureusement, c'est comme ça qu'on perd ce match. On perd 2-0. Donc voilà, mon adversaire qui était très très bon en défense, comme vous le voyez, un 4 tirs pour nous, avec seulement un tir cadré. Donc voilà, vraiment très très... très très nul, hein, ce match, hein, franchement, faut l'avouer. Mais bon, on est en division 4, les amis, donc ça va être de plus en plus dur. On est en division 4, hein, franchement, j'arrive même pas à le croire. Hein. Franchement, division 4, on arrive quand même à tenir dans ces divisions. On est plutôt pas mal, hein, on est plutôt bien parti, même si on a perdu ce match. On va se retrouver donc pour ce troisième match. On va tomber contre une équipe assez bof. Il a quand même du Suarez et du Neymar devant, mais bon, il avait des joueurs que j'aimais pas trop. David Luiz qui fonçait un petit peu trop devant. Et vous allez voir que cet adversaire va vraiment m'énerver. Donc là, très belle action de Neymar là, qui élimine tous ses adversaires. Malheureusement, sa frappe est arrêtée par Petr Cech. Ensuite, mon adversaire qui a la balle, il réalise de petites passes. Il finit par une passe lobée, une passe en profondeur lobée. Et regardez ce qu'il fait. Il me chuche
il me fait un très beau chute, donc voilà, il a commencé à me saouler à faire son chute, donc voilà, il fait tout simplement la célébration que je déteste le plus dans ce FIFA, et vous allez voir que ça va pas s'arrêter là. Là, petit cafouillage, heureusement, enfin petit cafouillage entre guillemets, hein, mon adversaire qui a eu une petite action. Heureusement, notre Casillas est à la parade. Là, je réalise deux tacles, malheureusement, ça, voilà, franchement, n'importe quoi. Clichy qui marque du pied droit, alors que Clichy est très très nul en frappe. Déjà, il est très nul en frappe du pied gauche, et voilà. Il nous fait notre petit chut avec I can't hear you, donc je ne peux pas t'entendre, enfin voilà. Il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, et regardez ce qu'il fait, donc voilà. Franchement, voilà, quel adversaire, donc PX Raptor, si tu regardes cette vidéo, même si j'en doute, bah franchement, va te faire mettre par un cheval, parce que franchement, t'es quelqu'un qui est vraiment... Voilà, regardez-moi ça. Tu sais pas jouer, et en plus, t'as vraiment de la chance, et franchement, il m'a vraiment énervé. Les adversaires comme ça, c'est juste des gamins de 10 ans qui essayent de vous foutre les boules, entre guillemets. Ils essayent tout simplement de vous faire rager, alors que voilà, on a 3 tirs cadrés, on marque même pas un but. Voilà, il continue toujours à passer à son Petrosech. Heureusement, on arrive à presser, on reprend la balle avec Ibrahimovic. Il tire une première fois, c'est contré, il tire une deuxième fois et c'est un arrêt de Sech. Donc ce match va être très très compliqué, hein, malheureusement. Donc voilà, on va avoir un peu notre chance, on va dire. Là, c'est Xavi qui se retrouve face au gardien. Il frappe, malheureusement, c'est arrêté. Et là, regardez-moi ça. Je parle de chance, mais n'importe quoi. Neymar qui tire à côté, quoi. C'est n'importe quoi. Là, on continue. Donc ensuite, toujours à presser parce qu'il n'arrêtait pas de faire des passes en retrait. Et c'est Ibrahimovic qui nous met ce but de la tête. Donc voilà, premier but d'Ibrahimovic, 2 buts à 1. Je me suis dit, il faut qu'on rattrape. Il faut qu'on montre à cet enfoiré. Hein. Voilà, je commence à être vulgaire parce que voilà, j'aime pas les joueurs comme ça. Là, c'est Ibrahimovic, Berbaspin, scoop turn, feinte de corps. Ball roll suivi d'un track back, la grosse frappe malheureusement, encore un arrêt, et là, on met pas ce but, même si Jérémy Ménez qui est hors jeu, je me suis dit, mais attends, mais même si, imaginez si Ménez n'était pas hors jeu, il aurait quand même arrêté le tir avec 7, quoi, c'était abusé. Et là, toujours, nous en fait, on n'arrêtait pas d'attaquer tout simplement, mais voilà, Ibrahimovic qui n'arrive pas à frapper. Là, il se fait faucher pratiquement dans la surface de réparation, mais il n'y a pas faute. Et c'est comme ça que se termine ce match. Regardez, il a complètement dominé la possession parce qu'il n'arrêtait pas de faire des passes en retrait. On a essayé de marquer le deuxième but, de choper le nul, malheureusement, voilà. 11 tirs, 9 cadrés, un seul but. Voilà, encore un match dégueulasse, quoi, tout simplement. Franchement, j'avais un petit peu les boules. Donc du coup, je décide... de repartir pour ce quatrième match. Je crois qu'on va faire 5 matchs dans cet épisode. On va aller... ouais, je crois que c'est ça. On va faire 5 matchs. Donc voilà, en tout cas, voilà. Franchement, j'avais un petit peu les boules par rapport à ce match. Donc voilà, les adversaires comme ça, c'est pas vraiment... J'aime pas les adversaires comme ça. Donc voilà, je me suis dit, voilà, il faut qu'on oublie cette défaite et il faut qu'on part tout de suite. Il faut qu'on montre qu'on a du niveau et qu'on va pas se laisser faire. On part sur ce troisième match. Non, sur ce quatrième match, je crois. Ou ce troisième, donc je m'embrouille un petit peu. La Semenez qui dribble pratiquement tous les joueurs. Malheureusement, il n'arrive pas à conclure sa frappe. La très belle action de Neymar. Donc malheureusement, bah voilà. On n'arrive pas à marquer. Hein. Son gardien qui arrive pratiquement tout. En plus, il y a un gros cafouillage là. On se demande qu'est-ce qui se passe là. Tout le monde faisait la samba là. Je sais pas ce qui se passait. Là, après un très beau drag back de Neymar, c'est Xavi qui tire. Malheureusement, encore un arrêt de son gardien, donc voilà, on domine quand même plutôt bien le match, donc cette première mi-temps. Ensuite, sur un corner, on reprend la balle avec Neymar, une petite roulette, une frappe de l'extérieur du pied, voilà. Premier but de la part de Neymar à la 31ème minute, enfin, j'ai envie de vous dire, après de nombreuses actions, on met enfin ce but, ce premier but. Donc voilà, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, regardez ça, c'est une passe décisive de Iker Casillas. Franchement, j'arrivais pas à le croire, Ménès qui fait là, en plus, qui met là un très beau but en lob. Mais si vous avez bien vu, c'est une passe décisive de Casillas. Donc voilà, quelle passe, franchement, les amis, elle a fait tout le terrain. Et elle a terminé dans les pieds de Ménez, donc de Jérémy Ménez, pour avoir ce deuxième but. Alors ensuite, c'est mon adversaire à la 45ème minute, donc avant la mi-temps, qui réalise une très grosse frappe. Heureusement, notre Casillas est à la parade. Et c'est comme ça que se termine cette seconde période. Voilà, on se tire, on se cadre, on domine. On aurait pu mettre beaucoup plus de buts, hein, vous allez me dire. Donc voilà, ensuite après un mauvais dégagement de mon adversaire, c'est Neymar là qui fait un petit peu de spectacle. Il fait un Ronaldo Chop et il se fait faucher dans la surface de réparation, ce qui veut tout simplement dire que nous obtenons un penalty. Donc voilà, après Ronaldo Chop, Neymar qui se fait faucher, je me dis voilà, penalty, bah, comme vous le savez, hein, on décide de tirer avec Neymar et c'est Neymar qui va transformer ce but.
J'ai eu un petit peu peur parce qu'il a touché, la balle. Mais voilà, le ballon qui termine au fond des filets au final. Donc voilà, ce qui est plutôt pas mal. On mène ce but, n'importe quand, on mène ce match 3 buts à 0. Là c'est Ronaldinho qui, bah voilà, qui fait un petit peu de spectacle lui aussi, qui a voulu se mettre en lumière lui aussi. Malheureusement sa frappe est arrêtée et là c'est mon adversaire après donc sa dernière action à la 90e minute. Malheureusement qu'il ne marque pas et c'est Iker Casillas là qui a réalisé un très bel arrêt. Donc voilà, c'est comme ça que se termine ce match, 3 buts à 0. Hein. Donc voilà, on est tranquille. Je dois vous avouer qu'on a dominé complètement ce match, hein, comme vous le voyez au niveau des stats, hein, 18 tirs et 15 cadrés. Donc voilà, on est plutôt tranquille et c'est comme ça que se termine. Donc bah, c'était le dernier match en fait, donc voilà. Donc en tout cas pour ces premiers matchs avec Zlatan Ibrahimovic, j'ai vraiment aimé jouer avec lui. Vous allez voir, je vais vous montrer ses stats. Je crois que ses stats c'était... Je sais plus du tout, mais en tout cas vous allez le voir tout de suite de toute façon parce que j'avais envie de vous les montrer. Donc voilà, 4 matchs, 4 buts. Donc c'est plutôt pas mal hein, pour quelqu'un qui fait que des gestes techniques. Menez qui m'a beaucoup surpris. Hein. Franchement, Menez qui est un très bon joueur. Donc voilà. En tout cas, l'équipe est vraiment très très bien. Si vous avez les crédits pour, et bah surtout, faites cette équipe tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cet épisode. Nous on se retrouve pour l'épisode numéro 17. Pour l'épisode numéro 18, pardon, je m'embrouille un petit peu. Donc voilà, portez-vous bien. N'oubliez pas de chausser vos crampons. Et on se retrouve très prochainement. Ciao les amis!